mourir sans fin. Il y a dans tout suicide un secret qui tient à la perte irrémédiable de la parole. Aussitôt peints, les mots de l'artiste ne sont plus qu'un écho dans la fulguration de leur radicale étrangeté. La défenestration dans l'azur de Nicolas de Staël est l'envers d'une épiphanie. Elle dit la mort par sacrifice, digne des anciens Mexicains. Un étonnant dessin appartenant à un manuscrit précolombien montre Quetzalcoatl, le serpent à plumes et Mictlantecuhtli, le seigneur de la région de la mort ouvrant le ciel, le lacérant, le faisant ruisseler de sang dans une combustion céleste. Ainsi la victime désignée par le destin s'élance, offrant au soleil la corolle déchirée de ses entrailles, dans le jaillissement buissonnant de son cœur arraché. Sa peinture était celle d'un voyageur revenu de tout, qui a contemplé un spectacle insupportable à la vision ordinaire. Sauter dans le vide. En cela, il rejoint le souvenir de la croyance pythagoricienne qui envoyait, après la mort, les âmes hanter les étoiles. Il avait disparu depuis longtemps. Dans l'engloutissement du tableau même, dans la lente disparition spectrale de ses désastres imaginaires. Aspirant à sa propre éclipse, dans la dilution cosmique des nymphéas originelles. Nicolas de Staël devint un personnage de Beckett habité par l'effacement. Proche du Hölderlin des poèmes de la folie qui se s'autorise le très fastueux déploiement du vide, la mort, en cette perspective inversée, ne servant plus que d'obscur faire-valoir au miroir ouvert du ciel. Sacrifié certes, mais déjà évanoui dans les paysages du désarroi et les natures mortes fantomatiques éclatées de menaces spirituelles. Dans sa dernière toile Le Concert, 1954, l'ange de la destruction a fait disparaître les musiciens, comme à Pompéi, les formes sont dissoutes et reconquises sur la chair. Seul, la grande contrebasse et le piano s'approchent de la figure. C'est le testament d'une vision du monde où les seuls êtres qui demeurent sont des témoignages d'une défaite. Dans le silence suspendu de la région des morts. Ainsi sa dualité qui voulait, à l'instar de Rimbaud, fixer des vertiges, réside, par son évanouissement sans ombre, dans la seule perdurable absence. Vivant dans l'étourdissement des objets, dans la vision tragique d'une conscience épuisée, il s'est tourné vers le rien rendu visible. On pense à la niche vide des mosquées, la Qibla, qui aimante le fidèle vers la Mecque. Le corps comme la prière se verticalise avant de basculer vers l'absolu soleil spirituel. Dans la fulgurance où le regard ne se reconnaît plus.